journée rempotage parce que j'ai trop de trucs qui en ont besoin et que je veux faire un cadeau d'une de mes boutures papyrus. Donc je vais rempoter le Calathea qu'on m'a offert et qui a explosé et qui en a effectivement bien besoin. Ensuite, le bégonia que bouture de ma maman qui explose aussi et vous allez peut-être pas voir mais il y a les racines qui sortent donc j'aime autant le faire maintenant. Après ça que j'ai rempoté il y a quoi, 2 mois, 3 mois, non début de printemps, 3 mois max, et on a déjà les racines qui ressortent. Il est dingo. Bon, lui il est clairement pas en forme, je pense qu'il est malade mon monstera, et il me fait plein de feuilles jaunes, donc je pense aussi qu'il n'est pas très à l'aise dans son pot. Je vais en tout cas rafraîchir tout ça. Le Schefflera qui est pas du tout foufou, mais qui se maintient doucement en vie. Et qui a quand même un tout petit pot avec... Je vais commencer à avoir des racines que vous allez pas voir là, mais... Je vais quand même lui changer, lui rafraîchir un peu la terre. Et puis, je vais m'occuper de quelques boutures et de ce lierre. Qui vous voyez a subi des pertes. Il y avait beaucoup plus de tiges. Et donc je vais le changer de pot et peut-être même d'endroit. Je vais réfléchir. Je vais sortir la potion magique. 24 heures après, j'ai eu la flemme aujourd'hui. On a fait un vide-grenier mais il n'y avait rien ce matin. Et hier soir, avant de partir à une soirée, j'ai fait un petit écoprint, je l'ai fait cuire. Là, il a bien mariné. Je vais voir ce que ça donne. Je ne suis pas sûre que ça donne grand-chose. On va voir. Qui s'accroche au tissu. Je doutais que ça donnerait rien de chou. Ça va peut-être donner un petit... Ah non, c'était les bavines. Est-ce que ça va donner quelques traces? Fallait que j'essaye. Bon, j'ai gardé la même technique que d'habitude, je vais essayer une autre la prochaine fois. Donc c'est pas parfait, mais j'aime beaucoup. Donc vous voyez que j'avais mis des végétaux qui n'ont pas eu de tanin. Par contre, les feuilles se sont imprimées en négatif grâce au sumac qui était, que j'avais mis par-dessus. Là aussi, il y avait la feuille de géranium qui était sous le sumac. Voilà, de jolis petits érables là. Là, des choses pas très très définies. Parce que là, il y avait des végétaux qui n'ont pas imprimé. Et là, on voit, mais on verra peut-être mieux quand ce sera sec. On voit là, qu'il y avait ces tiges là
Par transparence, on le voit un petit peu, hein, que c'est resté très blanc. La saison des écoprints et des mains sales a commencé. Voilà. On s'est encore tout mouillé. On le voit là aussi. Et alors, est-ce que ça va garder le jaune? Je ne sais pas. Il y a un petit peu de jaune là. Voilà. Et après, là, c'était plus simple et basique. Il y en avait un petit peu aussi, mais qui n'est pas resté imprimé. Le sumac qui est toujours très noir. Et ici, quelque chose qui est beaucoup plus nuancé. Là, on dirait que c'est peint en arrière-fond. Là, il y a ce petit mauve là qui ressort. Voilà, bon allez, je vais les laisser un petit peu sécher. Et ceux-là, je viens de les laver avec de la lessive et tout ça. Donc là, ils seront prêts à être entreposés après. Une tarte qui soit sec, j'adore les voir secs après. Allez, je vais aller au potager un petit peu maintenant. Parce que vous voyez comme ils sont hauts, mais tournesols. Ils sont immenses. Et ils ont commencé à s'ouvrir. Alors, il y a celui-ci là, qui nous fait la tête. Hop. Pour le coup, il ne regarde pas du tout le soleil. Voilà. Bon, là-dessous, c'est toujours foisonnant, n'est-ce pas? Il a un peu plu, donc c'est un peu plus vivant tout ça. Et là, des artichauts que je ne mange pas, mais que je garde parce que ce sont des maisons insectes. Puis en plus, c'est magnifique. Il y a plein d'insectes dans les fleurs d'artichauts. Et puis c'est beau. La forêt... De haricots, ils arrivent les haricots. Ils arrivent les haricots, coco, coco, coco. Et là, il y a des verts. Il y a trois variétés différentes, toutes mélangées, bien sûr. J'en avais ressemé un peu, vous voyez, un peu la virulence du pied de haricots. Par contre, à cueillir, ça va être la chasse au trésor, hein, clairement. Et je viens parce que je sais qu'il y a... Oh là là! Qu'est-ce que tu fais en l'air, toi? Ah! Et là, il y en a un autre. Et il monte encore. Je ne l'ai pas vu. Mince, il s'est échappé. Il faut que je le redescende parce que là, moi, les potimarrons qui vont grossir dans mes pieds de tomates, ça va pas le faire. On a déjà commencé à cueillir quelques tomates. Mais la majorité est encore bien verte. Je cherche les potimarrons. Il y en a un là qui est déjà bien orange. Tiens, on va y avoir des tomates à l'apéro aussi. C'est tellement tout caché, il y en a un jaune là. Quand je vous dis que c'est la chasse au trésor. Vous voyez, hein, dessous, tout dessous. Et de ce côté, on a des courgettes qu'il faut absolument que je cueille. C'est parti parce que là, déjà, c'est gros. Voilà. Non, elle est vraiment grosse déjà. J'ai attendu parce que hier, j'aurais pu les cueillir, mais je m'étais dit que j'allais faire une petite séquence cueillette de courgettes. J'avais envie. Les blanches. Oh là là, comment elle a grossi en une journée. En plus, les blanches font vachement de graines, donc il faut vraiment pas que je les laisse trop grossir. Ça sert à rien. Voilà mes trois couleurs de courgettes. Aïe, 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 il y en avait une. Oh, je les avais pas vues. Elles sont énormes. Je les avais pas du tout vus. Il y en a qui sont plus pollinisés, je vois. Ça, ils n'ont pas l'air mes deux mains. Bon, c'est pas possible. Je suis envahie. Donc, j'ai refait des conserves vendredi soir. Et j'ai rendu le stérilisateur, mais je vais avoir encore de quoi en faire. On n'en mange pas assez fraîche pour que... Et j'ai pas envie d'en perdre. Ça m'ennuie quand même. Hop! Alors, deux par ici. Et puis... Hop! Je t'ai vu. Grande courgette blanche, où es-tu? Tu es là, je t'ai repéré. T'es grosse, toi. Alors,
Il y a des bêtes partout. Des fois, elles me surprennent quand elles sont juste à côté de mon nez. Je vais me cueillir de la rhubarbe aussi, un de ces quatre. Hop. Voilà, trois de ce côté. On va aussi cueillir assez quotidiennement. Je cueille mes fleurs de souci pour mes tisanes. Hop. Voilà, j'aurais dû prendre un panier. Puis j'y ai pas pensé. Bonjour échevelage, hier j'étais toute bien apprêtée et tout. J'ai même pas fait une petite séquence histoire de dire. Et là je vois ma tronche, mais ça me fait rire. Oh là là, celle-là est trop belle. Regardez. C'est beau, tiens. Ça sent pas très bon comme ça, mais bon, j'adore ça en tisane. Une de plus. Ok. Bon. Eh bien, je vais aller chercher un panier pour mettre les petites tomates que j'ai vues. Je vais voir si Alma veut venir avec moi aussi. Mais elle a réquisitionné son papy pour jouer. Et puis elle fait un petit bazar qu'elle aime beaucoup. Je vais vous montrer. Il est pas bien là. Vous êtes quelques-uns à m'avoir demandé comment elle allait, la minette. Eh bien, elle va très bien, mais vous la voyez pas beaucoup parce que là, on est le matin et cette coquine devait être fatiguée, alors elle est encore là. Mais sinon, elle s'en va et elle est dehors toute la journée. Et oui, ma minette, mais elle va très bien, maman chat. Et elle adore dormir dans le petit fauteuil. C'est son fauteuil. Hello du mercredi. Alors, on est à l'atelier. J'ose pas imaginer l'heure qu'il est. Il est presque 10h30. Je cours. Bref. Je viens juste faire une petite parenthèse du nouveau projet parce que j'ai fini hier le Gatsby Top de Pignanit. Et donc, je vais commencer le Poppy Crop Top. Enfin, j'ai voulu essayer de faire un échantillon. Alors, donc, je disais que j'ai essayé de faire l'échantillon du Poppy Crop Top que m'a offert Marion, tiens Scotty. Donc, je voulais honorer le cadeau parce que c'est bien la saison et que ça me tente bien. Alors, je vous montre juste, hop, 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 ce magnifique dos nu là. Voilà. Avec un devant plus classique que je compte bien faire court, quasi, peut-être un tout petit peu plus long que celui-ci, mais dans ce goût-là, histoire de vraiment pouvoir mettre un truc. Oui, je suis habillée, mais j'ai pas trop chaud. Et j'ai commencé du coup à faire ce point qui est très simple et hyper gratifiant parce que je le trouve très joli, très texturé. Non, il fait la mise au point sur moi, c'est pas sur moi que je veux que tu fasses la mise au point. Et j'aime beaucoup cette couleur. Donc, je n'ai pas le bon échantillon, évidemment. Alors, il préconise le fil safran de Drops, qui apparemment est en 150 ou 160 mètres pour 50 grammes. Et le mien est donc à 125 mètres, donc prétendument plus gros, mais l'échantillon n'est pas bon quand même. Il me faut 20 mailles au lieu de 15 tout de même. C'est énorme. Donc j'ai calculé que il allait falloir me faire une bien plus grande taille. Bon, ce qui m'embête juste parce que du coup je me rajoute pas mal de mailles. Et donc bon, ça va être plus de boulot. Parce que si j'ai bien calculé, il faut que je fasse. Ouais, c'est ça. Il faut que je fasse la taille en rouge. La taille en rouge, c'est la taille L. Ça va me changer de faire une taille L pour mon buste. Mais c'est à cause de mon échantillon qui n'est pas bon. Donc, soit je refais un échantillon dans autre chose, soit je pars là-dessus. Je sais pas. Alors, j'avais ceci là. Et le fil est parti, on ne sait pas où. C'est tellement bien rangé tout ça. Ah mais ça c'est quelqu'un qui m'a remis
qui a dû faire tomber la pelote et puis qui me l'a remise un peu comme elle a pu. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça c'est le Rico Design qui est beaucoup plus satiné. Ça se voit que c'est plus brillant. Bref, je vais peut-être essayer ce soir de refaire un échantillon là-dedans, mais à mon avis, mes cotons se ressemblent assez. Et je me dis que j'ai celui-ci là, mais c'est pas du tout les mêmes tonalités en ce moment. J'ai très envie de couleur chaude. Celui-ci pourrait peut-être le faire. Voyons, voyons. Ça, c'était en bambou. Mais le bambou, je m'étais dit que je le garderais peut-être pour refaire un Gatsby top. Parce qu'il est tellement canon ce top. Je vous fais un petit teasing parce qu'il est en train de sécher. Mais il est canonissime et que c'est pas possible que je m'en fasse qu'un. 100 mètres. 100 mètres pour 50 grammes. On est encore plus gros. Oui, mais alors le truc, c'est que mon fil est certes plus gros, mais n'empêche que l'échantillon ne va pas. Et que je veux pas non plus faire un truc trop aéré. Alors, est-ce que j'essaye de le faire en 4,5 plutôt qu'en 4? Ah, il m'énerve. Voilà. Je sais pas. On va pas énormément à travers. Et, bon, et en même temps, vous me direz que j'ai vraiment fait l'échantillon de la flemme. Heureusement que j'en ai monté 20 au lieu de 15. Hein. Oh, je sais pas. Je vais réfléchir à la question. Celui-là, c'est le bambou de Katia. Alors là, on l'a depuis longtemps. C'est ma mère qui avait acheté ça. Bambou de Katia. Et je dois en avoir quelques-uns. C'est très dépareillé, mes cotons. Et surtout, il y a un tel bazar. Parce que Alma s'amuse bien avec ça. Mais j'en ai au moins 2, 3. Il y a aussi des fils à coudre dessus. Et 3 et 4. Ouais, j'ai quand même ce qu'il faut. Bon, et 5, peut-être 4,5, 5. J'ai ce qu'il faut. Et ça, je l'ai en rose aussi. Il faut avouer que je m'amuse bien à faire. Ok, donc je vous montre le Gatsby Top dès qu'il est fini. Et là, je vais continuer dans ma série de pochettes. En même temps, j'attends une commande parce que je sais pas comment je me suis débrouillée. Je n'avais plus de bouton de pression. Voilà, bref. C'est pas la grande organisation cette semaine. Et la première pochette que j'ai faite, j'ai pas du tout été contente parce que Mon tissu écoprint était trop fin. Et je sais pas, j'y ai pas pensé, je sais pas ce que j'ai fait. En fait, c'est un acte manqué. Du coup, la pochette en question me revient. J'ai commencé cette semaine en faisant une pochette sans le savoir. J'ai rattrapé le truc, mais elle est pas tout à fait parfaite. Voilà, lundi c'était compliqué, hein. Lundi soir j'étais pas contente de moi. Et j'avais fait celle-ci, donc du coup il y en a une partie qui sera thermocollée avec de la viseline assez rigide, comme celui-ci, qui, je sais pas, vous le voyez, est quand même solide. Mais pour une pochette c'est bien. C'est pas un truc qu'on veut dans un vêtement, mais alors elle est juste magnifique celle-ci, je l'aime beaucoup. De toute façon j'ai fait l'accord que j'aime. Et dedans, voilà, j'ai essayé de faire une série cette fois-ci avec une petite couleur contrastante au milieu. Et je sais pas comment j'ai réussi. Il y a ça là. Alors qui moi ne me dérange pas, mais bon ça se verra sur les photos. Et puis voilà, hein, c'est comme ça. Mais j'ai commencé la semaine comme ça. Après donc hier mardi, j'ai fait les trois petites. J'ai bien fait de tout couper, tout préparer, tout faire, tout repasser les petites bordures en fin de semaine dernière. Ça m'a bien avancé parce que... Et donc celles-ci, elles sont molletonnées. Ce que je trouve sympa, c'est moins rigide. Et ça donne un petit côté vraiment très agréable à l'ensemble. Et donc celles-ci sont plus rosées. Alors voilà, je vous dis que j'ai mis des couleurs et là il n'y en a pas parce que je trouvais ça joli comme ça aussi. Là j'ai fait une petite couture à la main. Je me suis dit tiens, on va... Voilà. Et celle-ci avec un intérieur rose. Tout rose. Et l'autre, c'est le même coupon que le premier que je vous ai montré. Donc hop, il y a un fil. Ah oui, que j'ai pas coupé. Voilà.
Donc les petites, alors c'est pas fini, il n'y a pas la couture à la main, la dernière couture de fin, il n'y a pas les boutons du coup de fermeture, et il n'y a pas bien sûr les feutres que je vais coudre à la main à la fin. Donc il va rester beaucoup de boulot quand j'aurai fini les coudes, donc je vais me taire et y retourner. Mais je tenais à vous montrer ça parce qu'en fait, cet enchaînement de tricot de top est très exaltant. J'étais trop contente de cette texture. Il faut juste que je trouve le bon échantillon. Bon, mais je vais y travailler. Allez, je vous laisse. I say, hey boy, well, how you doing? And he stops for a moment, wags his tail and keeps on moving. Just got shadows from the moon up above, and I think that the moon and me might just fall in love. I don't know why I feel this way, but I got you on my mind, so everything's okay. Hey, oh, walking in the night with the moon and the stars, they make me feel alright. Hey, qu'est-ce que c'est que cette musique? Alors de rien pour cette magnifique coiffure, hein, évidemment. Vous allez sûrement entendre mon ventilateur. J'essaye de parler plus fort pour que vous m'entendiez aussi. On est jeudi. Donc, je suis en train de regarder le podcast de Jolie Laurier. Anne-Sophie, si je ne m'abuse. Parce qu'elle m'a taguée sur Instagram. Parce que j'avais parlé d'un truc qui lui avait plu. Et bref. Et du coup, je réalisais que j'avais commencé à regarder un de ces épisodes de podcast et que j'avais pas fini. J'avais vraiment juste commencé. Je découvre peu de podcasts parce que la vidéo, faut pouvoir se poser devant et qu'en fait, ça ne m'arrive jamais. Je ne me pose que le soir et à part peut-être une soirée dans la semaine, les trois quarts du temps, mon mec est là et je me fais pas des soirées podcast, des soirées YouTube. J'ai des petites séquences le week-end où je regarde les chaînes auxquelles je suis habituée. Je regarde pas trop de trucs de laine et compagnie en fait, à part Bobine et Pelote. C'est vrai que je suis très habituée et quand elle sort une vidéo, généralement je sais que je vais aller la voir. Et après, sinon, faut que je pense à y aller. Je pense que YouTube me dit pas les trucs dont je suis abonnée, il me sonne pas les cloches, j'ai l'impression. Bref, et finalement je suis pas abonnée à des milliards de chaînes, et bref, je suis très contente de découvrir son univers parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait et ce qu'elle dégage. Donc si vous ne connaissez pas Jolie Laurier, j'ai envie de vous dire, allez voir. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Je suis en train de faire les finitions sur ma série de pochettes, que j'aime beaucoup cette série. Ça a mal commencé lundi, je sais pas pourquoi je le sentais pas, parce que la semaine s'annonçait avec plein de rendez-vous, d'horaires et de trucs à faire pour Alma, trucs dont on n'a pas l'habitude en fait. On est à notre rythme ici, dans notre bulle, et du coup, quand il faut en sortir, ça a tendance à un peu me stresser, mais j'essaie de ne pas lui montrer, bien sûr. Alors là, c'est bon, hein. On a été visiter l'école, ça lui a plu, c'est fantastique. Donc elle est motivée pour la rentrée, donc ça c'est juste le bonheur. On a quasiment choisi les tissus du cartable et des bavoirs, enfin des serviettes, parce que ce n'est plus un bébé, qu'il va falloir que je lui fasse pour la rentrée. J'ai regardé les patrons. Je sens que je vais me faire un truc à ma sauce. Et donc là, je finis cette collection. J'ai reçu mes boutons. Voilà, tout se passe bien. Tout se goupille bien. Je suis sans cesse reconnaissante de pouvoir faire ça. Du coup, je vais terminer ça. Là, quand j'aurai fini de poser les boutons et de coudre toutes les petites coutures à la main, il faudra encore que je couse le feutre. Est-ce que vous allez bien m'entendre avec ces bêtises de parler si loin? Le feutre pour les aiguilles en haut de la, sur la languette, là. Voilà. Bref.
Et j'ai reçu des petits trucs pour les calendriers de l'Avent. Donc, je vais mettre ça en ordre. Et je vais arrêter le ventilateur parce que j'ai peur que ça s'entende trop. Donc, je vais mettre en ordre mes idées. Sachant que je dois être pas mal là dans le. En fait, je vais pas y passer trop longtemps à réfléchir parce qu'après, il va falloir que je me mette à travailler. J'ai réalisé aussi que pour Alma, j'avais quand même fait que deux trucs sur 24. Donc, il va sérieusement falloir se mettre à bosser et en même temps, je viens de commencer un top au crochet. Mais bon, ça c'est perso, donc je me mettrai de Alors côté par quand contre, je vais rester sur mon idée de faire un petit colis avec pas juste un seul paquet. Je vais réfléchir parce que j'ai des idées un petit peu trop grosses, je pense. Pas lancer dans un truc industriel non plus au niveau des gourmandises, parce que c'est sympa une gourmandise, disons-le. Voilà, donc ce que j'aime, je veux que vous ayez les participants et deux. Qui s'inscrivent. Je veux que vous ayez quand même plusieurs petits paquets, quitte à tout ouvrir en même temps. Ça ne me dérangera pas, mais parce que c'est votre affaire, mais que vous ayez quand même plusieurs paquets si vous voulez, par exemple, un pour chaque dimanche. Bon, mais ça ne sera pas des grandes surprises à chaque fois, évidemment, mais il y aura un vrai cadeau et des petits à côté. Voilà, donc c'est l'idée. C'est pas encore fixé. Mais je vais faire mes tests. Je vais essayer de faire mes tests ce week-end ou début de semaine prochaine. Et du coup, avant fin juillet, ou alors vraiment début août, je vais faire un formulaire que vous pourrez, dont je mettrai le lien en dessous de la vidéo quand je l'annoncerai. Et ou alors je ferai une vidéo exprès. Et à ce moment-là, donc je vous renverrai dans les vlogs à cette vidéo. Et à ce moment-là, vous pourrez vous inscrire. Et sur le formulaire, je vous poserai quelques petites questions pour pouvoir un petit peu orienter les choses et voir dans quoi je me lance vraiment. Voilà, c'est bien. Ce serait bien aussi que je réfléchisse si j'ai des cadeaux de Noël à faire, mais là j'ai déjà des idées de cadeaux pour l'été. Alors voilà, il faudra aussi que je fasse ça, mais ce sera pour la semaine prochaine parce que je tiens beaucoup à lancer cette collection d'ici la fin de la semaine. Donc. Alors, on va finir ce vlog en beauté. Il y a un peu de vent. J'espère vraiment que la séquence sera bonne quand même parce que il fait trop beau. On est trop bien. Donc, dernière séquence en terrasse. C'est bien parce que là, c'est le début d'après-midi et comme il y a du vent, il ne fait pas trop chaud. Et j'apprécie de ne pas être enfermée à l'atelier. On va donc finir avec le projet fini de cette semaine, le projet en cours et un sublime cadeau. Ok? Alors, projet terminé, la beauté de ce top, le Gatsby top. Alors, le truc, c'est que forcément, je vais avoir un retour moindre et je ne sais pas ce que vous allez voir. Vous le voyez, ce motif de rêve avec une petite basque qui est vraiment avec ce fil hyper fluide. Et qui, on va dire, épouse très harmonieusement mon bidon, hein, qui est clairement là. Et donc cette forme est parfaite pour ma petite poitrine et la forme ensuite plus évasée au niveau après le ventre en fait. Hein. Et il s'est bien allongé au blocage par contre parce que je crois bien qu'il arrivait facilement ici hein, au départ. On était quasi nombril. Donc j'ai réussi à retrouver les infos sur ce fil. C'est le Kaleido 100% végétal de la droguerie. Voilà. Donc il est en bambou 92% et du coup 8% de lin. C'est le coloris Terre de Feu. Et c'est un fil. Alors eux ils tricotent en 3,5, moi je l'ai fait en 3 du coup. J'ai bien fait parce que comme il est très lourd, mais je le savais déjà ça, il s'est bien étendu au blocage. Par contre il est toujours aussi doux. Et c'est vraiment la bonne forme pour ce fil parce que vous entendez sûrement une voiture qui démarre, hein, désolé. Du coup je vais pas avoir chaud. Parce qu'on est quand même très dénudé. J'ai envie de faire un câlin. Maintenant?
Alors, attends, je montre le dos. Et après, on va faire un câlin. Donc, le dos est quand même super canon, mais je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer comme il faut. Vous avez deux trucs là. Non? T'es sûr? Donc voilà, vous avez un trou ici, un autre ici. Enfin, c'est pas un trou, en fait, c'est juste une fente qu'on a resserrée. On ferme. Je sais pas si vous allez y voir. On ferme avec donc deux I-cordes et là c'est les bretelles que moi j'ai croisé du coup dans le dos parce que je trouve ça mieux. J'avais essayé de... À tes souhaits ma chérie, j'avais essayé de le passer dans le cou et j'ai fait des photos aussi comme ça. Mais je suis plus... Comme c'est assez écarté là, au niveau de l'écartement de l'encolure, je suis plus à l'aise comme ça que en le mettant derrière le cou. Et le fait de le croiser derrière, c'est plus joli, je trouve. Je sais pas si vous l'aurez bien vu, mais au pire, je vous mettrai les photos. Et qu'est-ce qu'il est beau! Qu'est-ce qu'il est beau! Donc, je suis clairement totalement fan de ce patron qui va sortir fin du mois, mais je vais vous dire exactement dans le vlog la semaine où il sort. Parce que courez-y, quoi. Il est tellement beau. En plus, j'ai encore plein de fils, donc je pourrais peut-être faire un petit truc pour Alma en orange. Et en plus, c'est un fil qu'on... Alors, le fil qu'elle utilise, parce que j'ai pas utilisé le même fil, c'est un fil qu'on trouve chez Lily comme tout. Donc, très accessible, très estival aussi. Donc, n'hésitez pas. Je me suis régalée, vous avez vu, ça a été rapide. Hein. Est-ce que je l'ai fait en une semaine? Je crois, hein, facile. Voilà, donc gros bonheur et grand plaisir de pouvoir le porter maintenant. Et probablement qu'il y en aura au moins un autre. J'ai un autre fil bambou, bleu marine. Et j'aurais bien envie là. Bon, je pense que c'est une bonne idée. Toujours est-il que je vous montre mon encours maintenant. Mon encours qui ressemble juste à ça, voilà, donc... Hop, c'est dans ce sens d'ailleurs. Et j'adore cette texture de crochet. Donc, vous voyez que ce n'est pas celui que je vous ai montré au début de la semaine. C'était celui-ci que je vous montrais qui était du cheval blanc. J'ai finalement pris du Rico, le essentiel coton DK, parce que c'est un fil qui est un tout petit peu plus souple. Je te regarde parce que je te regarde ma chérie. Il est un petit peu plus souple. Je pense que le tombé sera mieux parce que bon, pour le crochet qui est déjà quand même dense, hein, il est dense. J'aimais autant que ce soit que le fil soit un petit peu plus souple. Tout simplement, même si je suis complètement fan de cette couleur et que en vrai moi je ne porte pas de rose, mais j'ai décidé que cette année c'était l'année du rose et j'adore les deux ensemble. On s'en fout un peu, mais ces coloris là que je travaille en ce moment me ravissent complètement. Des couleurs chaudes comme ça. Ah ouais, vraiment, ces deux couleurs ensemble, c'est trop beau. Et vous savez que j'adore rapprocher les couleurs. Bref, et je vais donc essayer d'avancer ce modèle au crochet. Donc je rappelle, c'est le Poppy Crop Top de Nomad Stitches. Je vais encore vous mettre les liens vers le patron en dessous, bien sûr. Et je voulais rajouter à la vidéo qui est sortie cette semaine sur ma chaîne. Donc cette semaine, il y aura deux vidéos sur la chaîne puisque j'ai sorti la sélection de pulls au crochet. Et c'est après avoir monté cette vidéo-là que j'ai découvert le... La Pixie Shirt du coup de Mama Louise sur Instagram et je sais pas quel est son nom sur Ravelry. C'est un modèle qui est en fait un tuto, une recette on va dire gratuite et en français, je voulais la rajouter, de pull en granny et c'est tellement la mode que je voulais vous en parler parce que il me tente vachement. En ce moment, je suis très dans l'impulsion, vous voyez un peu. J'avais un programme tricot que je suis pas du tout. Mais par contre, le tout étant d'avoir toujours un truc à faire et de me faire plaisir, donc il n'y a pas de souci. J'ai très envie de le rajouter à la liste. Heureusement que j'ai commencé celui-là avant, sinon je l'aurais déjà monté. Donc c'est un modèle très simple, donc gratuit. Par contre, elle explique comment elle a fait son pull
En taille, elle dit que c'est une taille M 38. Le truc, c'est qu'en fait, c'est hyper adaptable parce que c'est donc deux panneaux de granit cousus ensemble, un pour le devant et un pour le dos, donc vous avez un col droit. Et après, elle fait le même point de granit en fait pour faire les manches. Donc autant dire que c'est quelque chose de très versatile et qui peut être adapté sans problème en fonction en fait de la taille du granit. Donc en fonction de votre fil, en fait, vous pouvez faire avec ce que vous voulez. Et après, vous comptez combien il vous faut de granit, de quelle taille pour avoir la largeur que vous souhaitez. Et hop, le tour est joué. Donc j'aime beaucoup, 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 beaucoup. ça me dit bien, je le ferai bien en alpaga. Oui. Parce que pas du tout, j'ai pas du tout, je sens pas le besoin de me faire ce genre de choses en coton. Par contre, en alpaga, pour la mi-saison. Donc, parce que en fait, j'ai de la puna. De drops, et je crois d'ailleurs qu'elle le fait en déca, et ça serait vraiment sympa, je pense. Et alors, ça, et après, on peut aussi. L'avantage des granits, c'est qu'on peut changer soit on fait un truc très bariolé, soit on fait quelque chose d'harmonieux et qui se ressemble. Bref, ce modèle me plaît beaucoup, gros coup de cœur. Donc, je voulais absolument le mettre dans une vidéo cette semaine, quand même. Et je vous mettrai du coup aussi le lien vers la fiche Ravelry, qui est très succincte, vous allez voir, mais suffisante. N'hésitez pas à me demander si vous voulez. J'ai même dit sur Instagram que ça me donnait presque envie de lancer un petit cal, parce que je suis pas la seule à avoir envie de granit en ce moment. Et je me disais, pour tout ce qui est calcul, réflexion autour des tailles et des choix le plaisir des choix de couleurs aussi, j'avais réfléchi à peut-être monter un petit groupe. Juste pour discuter, quoi, pas faire un vrai cal avec une durée. Bon. Mais en même temps, je me dis qu'il n'y a peut-être même pas besoin. Bon. Donc je livre le modèle et je vous montre. Une création qui n'est absolument pas de moi. Oui, ça y est, je me suis offert. Et alors en plus, on a troqué un modèle de Pauline. Alors. Je vais vous. Avant, vous avez vu, c'est une banane. Et je vais vous montrer juste la carte. Regardez-moi ça. C'est sa petite carte. Avec du tissu. Bon, donc là, je vais vous parler de quelqu'un que j'admire tellement. J'aime tout chez Pauline. Donc, si vous. Je l'ai découverte sur Instagram. J'ai enfin craqué. Donc, je voulais absolument une de ses créations. Et au début, j'étais partie dans l'idée qu'elle me fasse le cartable pour Alma, qui finalement a voulu que je lui fasse moi-même. Donc, je vais m'y atteler d'ailleurs. Donc, ça a été un cadeau pour moi. Et on a troqué, puisque je suis très contente que mes pochettes avec lui aient plu. J'ai décidé de m'offrir une banane. Et il faut absolument que je vous montre tous les détails, parce que Pauline, donc. Pauline Ulmirec, je vais mal le dire. Pauline, elle fait des créations sublimes, tellement originales et uniques. Regardez ça. Chaque partie est différente. Alors moi, j'ai complètement craqué sur ceci, qui je trouvais était assez passe-partout. Regardez, oh, celui-là, il est sublime. Oui, je sais, c'est qu'un petit bout. Et alors là, on est sur du irisé doré. Avec une couture rose. Je ne l'ai pas encore ouvert. Elle m'a mis un petit bout de cuir là pour la fermeture. Et truc que j'aime par-dessus tout chez elle, ça. Je tenais absolument à avoir une création avec ce passepoil, juste phénoménal. Je ne lui ai pas commandé. Je voulais que ça vienne d'elle. Donc j'ai attendu qu'elle fasse. Et puis là, elle a fait une série donc de bananes, et j'ai juste craqué sur ça, moi. Ça avec ça, je me suis dit, ça va aller avec mes tenues sans aucun souci. Et après, je voulais de la folie de Pauline. Et donc, j'ai été servie parce qu'après, elle a retourné la banane. C'est beau, hein? Vous avez entendu? Waouh! C'est beau, hein? En plus, c'est tout doux. Donc, en plus, là, c'est velours. On dirait de la soie. Alors, ça, honnêtement, je. On dirait une soie rustique. Tu as vu? C'est comme c'est doux là. Oui. Et un peu comme c'est beau. Non mais.
la folie. Et ouvrons ensemble. Donc, hop. Oh, j'adore. Elle m'avait montré, mais j'avais un peu oublié. Regardez ça. Voilà. Donc, est-ce que c'est pas sublime? Hein, et rien ne se ressemble jamais. Je veux dire, jusque dans la couture de la sangle noire. Je me régale. Elle m'a dit d'ailleurs... je fais pas des... Par contre, je n'ai pas encore fait de patron pour la taille maxi. Alors, je vais l'enfiler. Pauline, si tu regardes cette vidéo, comment te dire que plus gros que ça, quand même, ce serait pas raisonnable. Hein. Alors, moi, j'ai vraiment pas besoin de plus gros que ça. C'est parfait. Juste hein, le truc essentiel, mon bloc de téléphone. Et... Voilà. Oh, la beauté. Mais la beauté. Non, mais... Voilà, je suis la plus heureuse. Je ne m'attendais pas à la recevoir aussi vite, honnêtement. Alors, elle est entièrement molletonnée. Et c'est juste la perfection. Voilà, donc je suis ravie. Je vais pouvoir avoir mon été avec ma banane à moi, EcoPrint, et ma magnifique banane Pauline. Trop beau, hein? Voilà, elle n'a pas encore de site en ligne. Hein. Si vous êtes dans sa région, elle distribue dans plein de boutiques. Mais suivez-la sur Instagram, vous allez voir si vous aimez ça. Si vous aimez ces créatrices de génie qui ont ce petit grain de folie qui fait tellement de bien. Mais qu'est-ce que c'est beau! Et puis c'est doux et c'est chaleureux, c'est bien fait, c'est tellement parfait. Bon voilà, je suis aux anges et donc sur ce moi je vous laisse. Je vais, si vous voulez les pochettes à aiguilles EcoPrint, elles sont disponibles en boutique. Ça y est, je viens de faire la mise à jour. Maintenant je m'occupe du montage de cette vidéo et de la vidéo des cardigans, parce que je ne l'ai pas faite. Et je vous retrouve la semaine prochaine, donc normalement pour une vidéo crochet et aussi un vlog. Donc je vous embrasse, merci d'être là, merci d'être au rendez-vous, de partager tout ça avec moi. Je vous fais des très 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 gros bisous, passez une très belle semaine, qu'il fasse beau ou non, qu'il fasse chaud ou non. Soyez créatifs, dites-moi si vous aussi vous êtes en plein crochet là, de plus en plus hein. J'ai l'impression que ça prend de l'ampleur, le crochet. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur. Portez-vous bien, prenez soin de vous, soyez créatifs et éclatez-vous. Ciao, ciao, à la semaine prochaine.